orateurs, les visionnaires, le pasteur Élisée Zinka-Kessongo. Paix et grâce soient sur vous. Cordial bienvenue à tous. Chers frères et sœurs de la ville de Lubumbashi, la cité évangélique Montagne du Carmel vous invite à participer à une grande veillée de prière chrétienne qu'elle organise du 30 À chaque fois que Dieu vous bénisse, vous savez parler en lingala.
vont nous prendre 27 ou 30 minutes. Alors ça va nous compliquer en ce qui concerne 0R. Parce que je suis en train de faire le compte à rebours. Il nous reste 6 minutes pour terminer avec cette année. Alors à 0R, c'est-à-dire que l'heure n'y est plus. Nous sommes à 0. C'est de là que nous nous allons semer. Le parole sur nos vies. Que le Seigneur soit loué. Dans ce culte, si tu essayais de somnoler ou de dormir, c'est-à-dire que tu as un problème. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Que Dieu vous bénisse. Mais chante, vous n'êtes pas encore arrivé là où je suis en train d'attendre. Il nous reste juste 5 minutes. Donnez-nous un cantique, votre propre cantique, faites vite car le temps file. N'arrangez pas trop. Aidez-nous. Commencez déjà. Allez-y, je vais vous arrêter, le temps file. Ancien Testament de nouveau.
tous ceux qui les cherchent dans les savoir-faire, dans les affaires de l'éternel. La question n'est pas de ce que tu fais, mais de ce que Dieu fait dans ce que tu fais. Car un fils nous est donné et l'enfant nous est né. La domination reposera sur son épaule. Mais ce qui m'a beaucoup préoccupé, c'est la domination sur son épaule. C'est-à-dire, Jésus. Je suis sauvé. Jésus m'a libéré de la prison des ennemis. Je suis sauvé. Yawa longoli nana boloko, ya mungula nanga agenanga. Yawa longoli nana boloko, ya mungula nanga agenanga. Yerusalem. Tusukumo kanawe, wakuya gimani mazelu batizila. Yerusalema, tusukumo kanawe, wakuya gimani mazelu batizila. Maranata, Jésus vient bientôt, mukalenga tujanu mabinilawe. Maranata, Jésus vient bientôt, mukalenga tujanu mabinilawe. Igwe, 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 Jésus m'a libéré de ça va lui. Vous allez m'excuser. J'ai l'oreille musicale. Les solistes. Et les pianos. Celui qui est au piano, il nous embrille. Ah, il a vu les musiques. Si tu es un accompagnateur, tu ne dois pas avoir le même niveau. Le drummer nous donne son battement. Amen. Si vous voyez dans l'église, le pasteur a mis l'accent sur les instruments, c'est qu'il provient de la musique. C'est comme ça. Maintenant. Amen. Amen. Bon. Vous allez nous introduire après. Mais si possible, changer. Si lui n'est pas capable, donnez à quelqu'un d'autre qui nous donne les battements. Du temps de la musique. Pas vite, lentement, mais lui va avec nous très lentement. Votre musique, c'est rapide. Ok. Tiens-toi debout, tiens-toi debout. Il est. Inakuya. 0h, 4 minutes. Alléluia. Amen. Amen.
On ne le fait pas comme des païens. Nous sommes à un endroit où la Bible dit, là où deux ou trois qui sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Écoute, des bruits sont en train d'influencer déjà le monde spirituel. Écoute-moi d'abord. Écoute-moi. Lorsque tu es en train de pousser des cris de joie, même s'il y avait le mur de Jéricho, il faudrait que ça tombe. Que Dieu te bénisse abondamment. Hosanna. Maintenant écoute. Écoute. Nous tous faisons-le en l'esprit. Lorsque tu vas commencer à pousser des cris de joie, il y a quelque chose qui va se passer. Même si ça a longtemps résisté, ça ne va plus rester. Allons-y au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un d'autre en 2023 ne va pas s'aimer une mauvaise chose dans ta vie. Il ne s'aimera pas une mauvaise chose dans ta santé, dans ta maison, dans ta vie, dans tes études, dans la santé de tes enfants, dans l'intelligence de tes enfants, dans ton travail, dans tes projets. Il ne va pas s'aimer une mauvaise chose. Maintenant écoute, commence à créer les choses. Utilise l'autorité que tu as. Commence à créer les choses dans ta vie. Commence à créer les choses dans ta vie. Nous sommes à 0R. L'heure n'y est plus. Maintenant crée des choses au travers de ta foi. Crée les choses dans ta vie. Osa. Les autres sont distraits. Tu attends que les autres parlent à ta place. Que les ennemis parlent à ta place. Programme ta vie. Programme l'année 2023. Prononce des paroles en 2023. Ça va t'accompagner.
2023. Programme l'année 2023. Avec ta bouche. Prononce tes paroles. Tu verras la maternité, toi. Tu verras un bon travail. Tu vas effectuer des bons voyages. Tu vas te rencontrer avec les gens de bénédiction. C'est là qu'ils seront ta bénédiction en 2023. Tes connexions vont te récompenser. Tes enfants vont finir les études avec succès. Tes mains ne seront pas dépourvues de quelque chose. Sème. Programme l'année 2023. L'ennemi ne trouvera pas l'endroit où entrer. Où c'est fatigué, voisin? N'imite pas ton voisin. Programme ton année. Programme l'année 2023. 2023, il a terminé, Siako. L'année 2023, c'est pas ton terminus. À où t'es chier en 2023? Tu ne finiras pas ta course en 2023. Ça m'étonne, il y en a celles-là qui sont assis. Donc tu acceptes que ta vie continue toujours avec la même histoire. Toi, reste assis. Nous, nous savons ce que nous sommes en train de faire. J'aimerais au travers de ta foi, tu connais l'amertume que tu as vécu en 2022. Que tu enterres cela. Crée une fosse. Enterre cela. Je suis sérieux. Nico Bilamichezo. Écoute, il y a des gens qui s'associaient en 2022. Ils se réunissaient 3 ou 4, 5. Ils prennent ton nom, ils mettent au centre. Ils commencent à créer des stratégies. De quelle manière ils vont te bloquer? De quelle manière ils vont bloquer tes activités? De quelle manière ils feront afin que tu n'évolues pas? Dis à Dieu en 2023. Qu'ils se séparent. Que Dieu crée des problèmes au milieu d'eux. Parce que, à tout moment qu'ils vont se réunir, ils vont s'associer. Ce sont leurs forces. Que Dieu affaiblisse ton ennemi en 2023. Qu'ils ne se réunissent plus.
que Dieu puisse les faire cogner des têtes, qu'ils n'aient plus la force en 2023. Prions au nom de Jésus-Christ. Écoute-moi te dire, je te dis vrai, si tu ne tires pas attention, il y a des gens que tu vas pleurer au courant de cette année. Je te dis vrai, je ne le dis pas pour te plaire. Toi, tu n'as aucun problème avec eux, mais eux, ils te cherchent des problèmes. En 2023, c'est comme Israël. Lorsqu'ils étaient dans le couloir de la mer Rouge, ils étaient en train de traverser. Pharaon pensait que c'est la même manière qu'il les combattait durant les années qu'ils ont réalisées là-bas. Lorsqu'ils suivaient Israël, les jours ne sont pas semblables. Je t'ai dit que l'année 2023, le jugement doit être effectué. Celui-là qui était en train de te faire souffrir, celui-là qui faisait souffrir ta famille. Dieu, mon reste à moi, tu as pu la couper à pisa. Dieu ne va pas les laisser. Mon père dit qu'il a quitté. Qui connaît Akati Aïe? C'est vrai. Nicoeli. Il y a un temps où on a été combattu, mais il y a aussi un temps où le jugement doit être prononcé. Et cette affaire, ça ne va pas terminer comme ça, non. Dieu est au centre de cette affaire. Il est au centre de cette affaire. Je te dis vrai, Dieu n'est pas content de voir ses enfants en train de souffrir. Dieu n'est pas content de voir ses enfants en train de pleurer. Dieu ne se réjouit pas de voir ses enfants être combattus. Comme à Kionesho, lorsqu'Israël a quitté en Égypte, tous les ennemis qui se sont rencontrés avec, Dieu les a frappés. Tous les ennemis. Aucun ennemi n'a subsisté sans pour autant voir les signes de Dieu. Dieu a frappé tout. Même si cet arbre de la honte qui a combattu Israël en fin de compte, Dieu a frappé aussi Haï. Que Dieu frappe en 2023 tout celui-là qui va élever sa main sur ta maison, sur ton travail, sur tes projets, sur ta santé, sur ta vie, sur tes enfants. Que la main de Dieu s'élève. Nous n'avons aucun problème avec eux. On n'a provoqué personne.
Il y en a même de ceux-là, on se confie à eux. Alors que eux nous cherchent la mort. Pendant ce temps où nous sommes ici, il y en a de ceux-là qui sont partis avec ton nom à la sorcellerie. En train de dire ceci, nous l'avons raté en 2022. Faisons un effort que nous puissions l'avoir en 2023. Ce n'est pas un problème. Les années ne sont pas semblables. La main de Dieu s'est levée en Égypte. Et Pharaon a pleuré. Il a dit ceci. Ce ne sont pas les Juifs. Mais ça soit d'être la main de Dieu. Et en 2023, que l'ennemi dise, ça c'est la main de Dieu. C'est vrai. Toi dis à Dieu ceci. Père, je n'ai aucun problème avec eux. Que ta main s'élève sur ma vie. C'est lui-là qui va me chercher dans les mal. Qu'il ne termine pas l'année 2023. Les autres disent que non. Monter à moi un petit enfant, je n'ai pas construit, et si j'ai tombé ici, sors de ma maison, ce sera comment? J'avais senti même la colère spirituelle, et le frère n'a pas su se tenir debout. On l'a transporté, on est parti avec lui. Et après que tu dises que non, c'est pas comme ça, ces cimetières qui sont remplis ici, ce sont les sorciers qui tuent. Plusieurs meurent par une mort provoquée par les hommes. Même la maladie des sida ne tue pas comme la sorcellerie. C'est vrai, je te dis. Je suis un homme spirituel. Notre vie de Lubumbashi, les gens ne mouraient pas comme ça. De tous les cimetières, il y en a de trop. Mais chaque jour, on enterre comme si les gens se vidaient dans la ville. Je t'interdis en 2023 que tu puisses disparaître ou bien que l'un de tes enfants puisse mourir. C'est lui-là qui osera. Je vais le précipiter lui-même. Qu'il meure même sans maladie. Qu'il meure même d'une mort brusque. Je suis vraiment sérieux. Parce que je vois l'œuvre de Satan à cette année nouvelle. En 2023, que ça ne soit pas semblable avec toutes les autres années.
Que tu puisses dire aussi aux gens que je peux remonter dans un avion. Dans deux semaines, je vais rentrer. Que tu changes aussi de langage. Amen. Que tu changes de langage. Je t'ordonne, toi, de vivre de bonnes choses en 2023 au nom de Jésus-Christ. Dans ta famille, on ne va pas enterrer des hommes importants. C'est là qui tue les autres. C'est eux qui vont mourir. C'est là qu'ils sont forts dans la famille. Non, ils ne vont pas mourir. Au moins, si Jésus n'était pas passé à la croix. Est-ce que quelqu'un me comprend à ce niveau? Là, je suis en train de lutter avec des paroles. Je suis en train de détruire leurs paroles. Je te dis vrai. Et vous savez, de la manière dont Dieu va faire tes ennemis, il va juste les emporter l'intelligence. Amen. Il va juste les enlever l'intelligence. Vous savez, tous ceux-là qui sont en train de chercher ton information, cette année ça va vraiment les compliquer. D'abord toi, c'est le midi des esprits. Tous les esprits sont en action pendant ces temps. Et ce qui se passe ici, là où ils sont en train de sentir les effets. Amen. À la prière que nous sommes en train de faire, même des prophéties, ça doit changer. Que tes prophéties changent dans ta vie. Non pas seulement les combats. Non. Tu risques même de dépasser le temps d'Abraham. Que tu dépasses même celui de David. Pour toi, ça risque d'englober toute ta vie. Vous savez, si les combats durent longtemps, et des risques de mort, de la mort s'invitent aussi. Il y a une jeune maman ici, pendant que je parle. Il y a un signe qui lui arrive, je vois une jeune maman. Une jeune maman. Au milieu de nous ici. Il y a un signe qui lui arrive. Et ce signe, ça devait nécessairement arriver. C'est vrai. Ça devait nécessairement arriver. Et c'est comme ça que Dieu a prévu. Je vois une corde lui saisir par la hanche. Entrer dans la famille. Je vois ces liens être brisés. On a brisé cela. Et j'entends le ciel me dire ceci. Et cette femme, elle ne devrait pas réaliser même 5 enfants. Parce que je la vois totaliser 5. Elle ne devrait pas avoir 5 enfants. Elle devrait mourir avant ses 5 enfants. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 de ses enfants. Et ses enfants, ils auront de la renommée au Congo. C'est une jeune maman. Dans leur famille, il y a beaucoup de combats. Vraiment des combats. Je l'ai dit devant le peuple. Le temps est arrivé. Tel que le ciel vient de me le dire. Dieu montre-la moi. J'aimerais la voir. À zéro. Histoire commence. Et l'histoire commence. Une très grande histoire qui n'a jamais existé dans sa famille, qu'on n'a jamais appris dans notre famille. C'est ça la bénédiction de cette maman. Au sein de ses enfants. Ce sont ses enfants. Satan ne te combat pas en vain. Il connaît le pourquoi il est en train de te combattre. C'est possible que tu ne te connais pas toi-même. Mais l'ennemi te connaît. Ce lien est rompu. Tu ne vas pas mourir, maman. Tu vas mettre au monde tes enfants. Allez-y avec.
Église, est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Alléluia. Osa. Il y a un don que je suis en train de chercher ici. Ce don va vraiment aider cette église. Ce signe, je l'ai vu à partir de la Sainte-Sainte. Je sens encore que Dieu vient de me retourner cela. Je libère la puissance de Dieu. Que ça touche cet homme. Il y a quelque chose. Lorsque la puissance de Dieu va les toucher, il y a quelque chose que Dieu est en train d'enlever en lui. Ah, le fait de nier trop. Le fait de nier. Et utiliser aussi la chair un peu. Là, Dieu veut te changer. Au travers sa puissance. Dieu va travailler avec lui. Dans cette église que je ne travaille pas seul, travaillons nombreux. Car si on veut nous taxer des sorciers, qu'on taxe nombreux, que je ne sois pas le seul. Ça va les toucher. Ça va les toucher. Et puis ça ne va même pas traîner. Ça ne concerne pas l'âge, même un petit enfant. Nous, on grandissait. Un enfant de 10 ans en train de beaucoup prophétiser. Il prophétisait beaucoup. Un enfant de 10 ans. Et dans cette génération, ça a disparu. Père, touche-le. Touche-le maintenant. Touche-le encore. Au nom de Jésus-Christ. Touche-le encore. Lorsque cet enfant est en train de crier, je vois une lumière quitter chez elle, tomber encore à un autre endroit. Osa. J'aime Jésus. Nampenda Yesu. Il est terrible. Eko Adjabo. Un homme très fort. Il n'a jamais eu un adversaire. Le Jésus-Christ de Nazareth. Il n'a jamais livré un combat. Parce qu'il n'a jamais trouvé l'adversaire de son rang. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Ne lui prive pas de tes cris de joie. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. La nuit d'aujourd'hui, fais des sorciers de ta famille qu'il soit un lion sans dents, sans griffes. Qu'il reste seulement avec le nom d'un sorcier, mais sans action. Tout est possible. Yote na wezekana. À celui qui croit. Kwa ule anamini. Eko mulosh. Il est sorcier. Eko ako. Il est là. Mais il n'a plus de force pour agir dans ta vie. Pour agir dans ta famille. Amen. Amen. Maintenant, commence à le retirer ses dents. Commence à l'enlever ses griffes. Retire-lui tout. Fais-le par la foi. Prions au nom de Jésus-Christ. Qu'il n'ait plus la force. Réduisons-les à néant. Qu'ils ne aient plus la force. Nous venons de les retirer les dents. Nous venons de les retirer des griffes. Dieu qu'ils n'agissent plus. Même s'ils vont exister. Mais qu'ils ne nous empêchent pas. Qu'ils ne nous empêchent pas. Qu'ils ne nous empêchent pas. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Osage. Nico, on a tombé.
Je vois les gens en train de marcher et les ombres en train de les suivre. Les autres, je vois leur ombre devant eux. L'Esprit de Dieu est en train de m'enseigner. Vous voyez ces ombres? C'est ce qui les précédait pour détruire dans tout ce qu'ils faisaient. Toi, dis à Dieu, tout ombre qui me poursuivait, que ça ne se manifeste plus dans ma vie. Je retire ce qui était devant moi. J'enlève ce qui était derrière moi. Élève la voix, prie au nom de Jésus-Christ. Je vois les gens, les autres avec des habits déchiquetés, les autres vraiment fatigués.